Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur la 14e édition de Bouliac on the Rock. Il s'agit de voitures américaines et de bons gros rock'n'roll. On envoie le générique. Ça passe. Ouais. On va vous présenter un muscle car, parce que c'est bien aussi de présenter des voitures. Il y a des groupes, mais c'est d'abord un rassemblement de voitures US de collection. Et là, vous avez un très bel exemplaire d'Olivier, tu peux monter Olivier. Un très bel exemplaire d'une Ford Falcon GB XT de 73, qui est le modèle original. C'est là-dessus qu'ils sont basés pour Mad Max. Donc c'est la moto de Mad Max en fait, d'accord ? À l'époque où ça valait pas encore énormément, c'était déjà un billet d'équivalent 30 000 euros. Aujourd'hui, c'est en 150-180. Ah ouais. Ravi de vous retrouver donc et de présenter un groupe qui a grandi un peu avec moi. Donc, je vous demande d'applaudir sous le soleil, ici à Bouliac on the Rock, 67! Yeah!
Ah ouais, toi. On va vous présenter, puisque entre les concerts il y a quand même des voitures, hein. Faut pas l'oublier, c'est un rassemblement de voitures américaines de collection. Là c'est la voiture de Harold Menoro, là. C'est une Charger 69. Francis est un grand fan, Francis Zedut, hey, messieurs dames, bravo. Tonton Zedut qui est là avec nous. Tout le monde connaît la Charger, on a rêvé, ou on rêve, moi j'en rêve encore. Je suis content d'être ici parce qu'il y en a plusieurs beaux exemplaires. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette voiture ? Mais c'était la voiture des méchants, donc comme si c'était un garçon très méchant, forcément ça me plaisait. T'es très méchant toi-même ? Oui, beaucoup. Regarde, il est marié, il est content, il est dans la Charger. Attention aux enfants quand même. We'll be right back.